On vous entend bien là, ok. Il y a quelqu'un qui a dit, on va attendre un peu. Quelqu'un a dit qu'il nous entend. On va patienter. Le son est bon maintenant. Ok, quelqu'un a dit que le son est bon, mais il y a un décalage. Le son est bon. Dadé, est-ce que tu m'entends de même que tu entends Ibrahim? Oui, oui, un peu. Dadé dit que c'est un peu, c'est bon. D'autres disent un peu. Il y en a qui disent... Alors, vous m'entendez? Le volume. Bonsoir. Voilà. Est-ce que vous entendez Ibrahim? Ok, apparemment, ils t'entendent. Moi aussi, je t'entends. Le son est impeccable. Le son est bon. Voilà. This is from London, my brother. Ok, ça veut dire qu'on nous entend. Voilà. Bonjour et bienvenue sur la page Kotoli Monkotola à toi. Et puis, nous disons bonsoir à tous nos abonnés qui nous regardent en ce moment. Pour ne pas retarder, pour planter le décor, tu n'es pas un nouveau sur cette page, tu es un habitué, je vois que tu es en pleine forme. Et là, je pense que tu dois être audité parce que là, cette mine que tu dégages par rapport à ce que nous entendons aujourd'hui sur la cité, j'ai du mal vraiment à cerner, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe réellement. Et d'entrée de jeu, Ibrahim Diallo n'est pas quelqu'un à présenter, mais tu peux toujours te présenter. Et depuis la dernière fois qu'on s'était parlé, tu étais à Dakar. Aujourd'hui, tu es du côté de l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, merci beaucoup. Je te remercie encore une fois pour cette invitation. Joël Tanik, ma fota fota non, tu es à l'invitation d'eau. Parce que nous avons tout d'un nom, à inviter l'un pour une fois. Ton nom, ça, il est à Dakar. Donc, Harry est yéouti. Fi ko feewndu no kon feewndu on saay kadi e fi ko woni arde donc moi je suis Ibrahim Diallo, je suis le responsable des opérations du Front national pour la défense de la constitution et coordinateur du mouvement international tournant la page en Guinée et donc no yewtir da non e hari ila e Dakar mi gore an seku kunduno hidon andi ko fi hondum wadi dum donc a partir de Dakar hari meden jokkiti golle ko men jokkuno kon parce que Dakar don hari on se sente en sécurité kadi Dakar c'est un pays Sénégal est un pays démocratique et men som jaka don be wernuno men ja e mokere. Donc hari meden gollude meden continue golle amen de mourad moddiro e kono no andirda non a partir de Dakar har meden e gondudu de kadi e wombe Europe ben partenaire be amen wombe Europe ben woni avocat be men jettuno men jetti Paris ben avocat Porto be men jetti Paris ben e kadi e partenaire be go société civile européenne et institution di européenne di on a bien donc hari ko men windindiran ay woni justement avant qu'on ne continue il y a une partie très importante que tu viens de toucher ay yewti do fondo on don Dakar fondo on don Dakar hala kadi yaltuno on tuma fondo be waduno protocole d'accord entre Sénégal et la Guinée fir frontier gidin article di yaltuno on tuma intoxication waduno be ni on non tawbe ben fo ko opposant be regime on non tawbe ben fo idon darta de tawbe idon darta ni be ni no gasa hidon an danger mi do andi ton duma arno do yewtuda rassuruda est-ce que ko iwdon don kon taw parce que a wi lady ni ko lady out ko lady ni sari a nyinna e der mudum est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie là est-ce que vous vous sentiez menacé est-ce que vous étiez en porte-à-faux avec la loi sénégalaise qui avait fait que vous êtes sorti du Sénégal. Est-ce qu'il y a un rapport? Parce que ça se dit dans les bas quartiers que vous étiez en danger et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous êtes déplacé de Dakar. Tu peux donner ta part de vérité là, s'il te plaît? Effectivement, Rimerji, il y a tout non, donc a dit qu'Alpha Condé, il y a tini de Rimerji donc, parce que quand Fenangol Himbe, kadi impact gol moral himbe ben fi yobe seeti himbe be aningol jama on kadi quoi bi innugol kadi hollugol ibe mari don alors que non non woni la dole ay e fus menen meden Dakar ha hande ministre jo
sénégalais innali men meden bondi ha hande lando sénégal o innali men meden bondi goto diranzali men wana police wana gendarme hay goto gouvernement la guinée non e alpha conde be holluno faale be holluno faale be fe gouvernement sénégalais be inni menen ko be jabi kon be woni dakar meden wonto meden jokkiti golle amen ne wo dum non welali be woyo gouvernement sénégalais on yo ndaru no raddoro men ma be nanga men be jonni tamen justice la guinée woni dum don marsali ko dum wadi bay dum don wonno marsali ben don jadali be enni kambe be alda e men problema e fuso o yeyi o yennoyi sénégal fo o critiqui Macky Sall onni kala yennay do mo kala son jaydo laamu makko ngum fop ko Macky Sall wernata on tigi sénégal donc don bay fi e be signoy yeyi onabi on noddo e president ghanéen jom o ni on don yo wandi tomo e o wendita e Macky Sall fi no uditira frontière gi din parce que himo andi effectivement himo andi en fait si ewi e port autonome Conakry on e terme konada tambudi kon recette ko frontière sénégal on woni deuxième source de recette Sambay effectivement donc du coup o tawi be ala mbudi caisse yidi no vidi e hino o fermi frontière on bayano inni bay ko kanko fermi frontière on wodi tinay wore makko donc hari mo dakkude solo mo dakkude fi vraiment wato hersu ko dum o fatino e président ghanéen jom on do e waldu tamo be signa tun kaydiri wona vraiment ko be signi dum non et puis ko dum wadi auditi frontière on donc on yino fe iri non be ardi la guinée be modi ka assemblée don himbe rpg ben be modi don be mbay député alani ni ka assemblée en ala assemblée nationale ni ben don ye be yawi sut sut be votin don be ni be adi non propagande be ni a wi joon non be Ibrahima Diallo e Sekou Koundouno be rado to be ma be nangay be artira be la guinée ene me yefu jamo no sa me no ata e goto an hay e fus men o protocol mo yidon do ni e dum e senegal hay ratifiatan do ene ni parce que c'est la diplomatie men me har me den jogi information deja auprès de la diplomatie sénégalaise be wi sa yi ministre sénégalais jon signi ko fi tum wadu gol plaisir président cdi anton wana haray o hersinare be fo ko needi be holli kambe bay be neyi be hollu needi exactement ko needi be holli be wadi dum don après on yi bay be yitti ka do woni leddi jodo hani hay ko hay hala fi mum be holali hay hala fi mum kambe dum dum critique assemblée mabbe don kambe dum hay be ala yewde fi dum be ma poraki gere don priorité donc nini alpha no sunjula kadi lando ghanéen jom yo wandi tomo yo wandi tomo hay yo be wadi e gundo hay sko gundo be wadi kanko ko fala tun ko yo hebu argument no wodi tira frontière on ona lando gouvernement sénégalais tambe ibe fori na de wawa gouvernement medo gouvernement Alpha Condé donc du coup c'est bien ya précise don gouvernement Alpha Condé parce que enen en joginal taw gouvernement ko don non fo kido de justement non jodo bi Sénégal on hewti Europe fewndo katawata do frontière yino ferma na wondo wo arata na wondo wo wernete si tay ko bonno nobe est ce be jabayno wernude bayno mimi do andi on bonna ko ndu woni ko addi on fewndo Europe parce que on hewti ari do huwondirde wobbe taw on windi derana woni on yewtay woni kumpondiro jonno be ni onon tigi yon aro kondo woni ko addi on Europe fewndo effectivement donc bay tawi piji gono ton ko wadate gumdo e kene tan do men wawata wadude don a distance ara menen jodi Dakar to meden wod donc ma tawa ara menen tigi meden e kene meden e kene meden wontide e mabbe e takko mabbe ga fino men wadira din golleji don dum ko tawi ton gadi aranum dum ko dum bay men ari tum ko direct Paris men yeyi men yidoy e avocat be amen ben kippambe men dossier ji amen wondi cour pénal international parce que don gedi ne international don geri nebali debbo wonno do ton on o sanjama parce que on debbo don voilà debbo don hari e juude makko dossier ji din ala évoluer donc buy haraji buy wala ma baaw makko
Donc il est sensible à ces questions-là. Donc on voit voici comment il a tel ton. Donc nous avocats ben taille de maru mais yiti day mabbe be ndara no jettira rendez-vous et jungo on donc procureur de question mais ya men yide makko Hollande même pour sa dossier cour pénal même jogi donc cour pénal international fi yo évolue enquête gidi yo audité kisan fi no be warade parce que men jetti ahadi be warade la gina fop woni o combat fi troisième mandat élection be fo e mabbe be warirtaake ni nani ninnade ko fetti baawo do kono dum do men jetti dum do wadole men jokkay dum do ha be tawabe dum do fop be juger be nyaawe be condamner donc dum don ko fo dimmun dum kadi institution ji din wono haut commissariat des droits de l'homme wonbe Genève ben non kadi meden do yide mabbe men pour sa dossier la Guinée parce que ben non tawata pour cette moya fiyo sanction ji din yawo sut fiyo sanction ji din yawo arde contre gouvernement la Guinée et contre ministre be cadre be kala tawata no tawa ender o bonnugol constitution la Guinée ma no tawa o coup d'état ko be wadi do fiyo be jotto kadi ka be jogito pouvoir donc du coup to be ni kadi on tousi don andi yewtere ko so ndu jabete on wolli do nanen nokkure inde mayre wolture Redouane Tadji do andi non namen to Redouane Tadji wiw don cour pénal international on yewti fi dum don be do andi non cour pénal international na koronti na prison de la Makaina kindia do ka wobbe tay dogito de ngandi no wodi nabanobe don tawbe han joni be to wono Charles Taylorin ide ngandi buina to be don karambe yaltiri on fala la wiude do ni kadi ko sifa dum do woni ko fokki tane di bandiji do dum ko aranun dum immun dum kadi o yewti fi avocade o yewti kanyun kadi demarche di wad don ka hewtu don do e ngara joni dum don paske hino wodi justement katawata idon andi sanction ji no fokkiti in sanction ji don wodi kambe kadi kabe memmini ton fisi o memmino ke wona ko o kambe ati memminade yiltite ka CPI don seda yewto men ko honto woni ko fokkita ko hombe hulana fi sanction ji be hulana den fi sanction ji din gogo ko kanko Alpha Conde se Alpha Conde himo yeso e bawo e ko ko feddi lagine fop woni ko himbe wara himbe ko bonnana fop himo yeso himo bawo ko kanko woni commandant en chef des forces armées donc dum woni be kala borni lo teni yaltaido ka yasi ya bonnoya ko kanko ko le kongol makko ben non fop imoto yalta woni wari wore woni bonnangol jamaa woni ko be wadi kon fop nangugol himbe ben fop ko e wore makko be ko e makko be tippi se be wadde nim piji don donc watti don watti e makko e di ministre woni ministre sécurité ba woni défense ba woni général corps d'armée ji be tawa won be fou ka conseil sécurité tawa ben fop déployer gol jettu gol ordre ji din ma application applique gol ordre ji din fi yo himbe ben yo réprimer de maide ji fou ko enregistre ben ben non fop be tawa ministre be ben kadi no tawa e der mudum be fou be tawa e der mudum donc dum don menen men watno golle menen avocat ben be wadi dossier jan dossier ko yaata wa 1000 pages ko yaata wa 1000 pages mo be documenti violation des droits de l'homme ko wadi lagina kon fo wada liste ji mabbe din kambe don fo kadi on yi mi fitu liste be député be européen ben liste ko be wadu no kon kadi 25 personnes be nabi ka union européenne fi sanction ji din ben don fo tawa be der liste ben fo no tawa e liste yawdo cour pénal international on kadi fop no documenta kadi men toñata kadi hay e goto meden informi mo kala no tawira ko honno tawira ko honno on tigi golle hon dum on tigi wadde
Donc, non, la Cour pénale internationale, mais Inch'Allah, les jours à venir, mais il dit d'ailleurs, procureur Cour pénale internationale, hein, mais voilà lobby, mais voilà plaidoyer, fin le dossier, la Guinée, où il dirait, il y a vite, parce que il y a un argument qui est avocat d'Amen Menka de Paris, mais déterminé, il y a un argument qui est faux. And, donc, de yewtere modon dum do andi no wodi hande wobbe be daano taako no wodi wobbe tawobe hande ka be nani dum do reedu mabbe ben day kono mi do andi no wodi kadi wobbe ndarde en do tawbe hibe wadani edidi dum sabu ne bama wolede fi sanction ji warin taw be innaabe no sibla do wada e liste wobbe mabbe fewon do hino wada payago erop tom kono mardon ko wawon yewtude jama on difference on entre fewon do tawno ko faatu ben suuda e fewon do tay ko o keso do kono kadi woni ko tama o keso mo mardon par rapport ke tay wadi do ha on déplacé ke on ardi kadi e wi buri ko buri deri wulure ardo don preuve ji addu don histoire ji ko honno feiri mawndu gokindu Alpha Condé kono no wodi bembe o jonnuno ordre kural yalti nati e bandu itti wonkiji kono mardon ko yewto bembe tawata perde mudum hino laiti kibe wadani e didi wonde ma cette fois ci c'est la bonne cette fois ci sanction ji yana c'est ça comme yand ta jama on tilti gon taw ko yo milandi fop no hawji himbe ben hebi mettede donc hebi deception donc comme yandi ta jama yo fado yo wadu confiance e mur e pehe yetta din golle den no wadirde no wadirede cende den fop na europe do tun etats-unis kadi hobbe go kan no jokki ton en sifa dem golle donc kadi dun non no jokka donc ida buri landande dun non donc jama on wana dun do wana wana so dugal markete ni yaya don e don hetta intérêt mu on don no dun do ko procédure pidi dem fo jokkerta no jokkira no no labira wo no pidi dem wadira no bira wadirede non wo ko non résultat on heboto e kadi ka porto ben be wawata sanction de goddo si be henda ki preuve di dem fo ko mabbe tanjino wana sifa ka meden ko goddo nangirte ni e condamnire ni haray wadale e fous et cetera ma tambe be rassuro be hendo preuve ji din fop be ta tikti yo hi do ko non woniri donc be jetta non decision mais parce que si be jetti decision ji mabbe di ono e don andi e justice mabbe on ga e decision ji mabbe retour ala donc du coup jama yo fado wana yo hawju piji din aroyay ko non yobbe fado be duti pression donc be andita piji buy no wodi e kene no wadede e gundo ko tawata men wawata yewtude fimu ko data hobbe go ko no wadde be wata yewtude fimu donc no resultat ji din aroyay seeda donc ko andito non be be wolda fimu himbe woni ministre be woni himbe Alpha Condé ben gouvernement Macron tout ça ko himbe be wona sereng ben don ene hiden wawi walade hande daano den kono kambe be walta ko be daano fes hande hande ni ni da yaltini mbudi mabbe ko buri kon be nabidi kale de arab kale de arab be wuditi don kontiji be nabidi don Sierra Leone hande hande be yeybe wuditi don kadi kontiji ko hélicoptère o aranta mbudi don naba ta kontiji mabbe Sierra Leone don kadi be ren kippude fimu men anda doneji din fop men jonnete den kippu be fi mum do donc jama on yo holo ko jokka kon si tawi hikkinabe yeso ben ha joni ben don accitali no jokki malgré ke be menasa piji din fop ni be jokki be jokki golle den jama on yo doa utude ba on don fado aray seytinali be inni wo si sede ala hakil no nyawa minani kadi mawbe no inna ko hana ande curki imma ki hara yite ala leito ka beydi tugol ka yewtu don do en nata do joni e soppun ndu tawata sede on berde mabbe deja walaki ara nun dun tawbe fo be wuggi ke be ari nyawnda gol leede porto wobbe ben paske be tangini vaccin ji de leede porto hidi buri mo yande be yidi di wonadi nabede don jonnon be ari kadi fi famina gol jama wonde ma hibe ari de kambe awsi wawlama piji hore mabbe ina gonga peina e pulal ko hutido ko futata ko hutido ko defata futata
e mel mudum kadi yi hala no yalti do wondema manda dare international no wadana contre Sekou Kounduno quantu mi woni yide do est-ce que Sekou Kounduno feundo do o segali o sudo yi mi fala yi contre woni feundo do ni Ah, ok. Là où vous êtes en dehors de la planète, vous n'êtes pas sur une planète terrienne. Alors. Non, moi, attendez, moi je suis un peu confus. Est-ce que c'est le même Kounduno pour lequel il y a eu un mandat d'arrêt que je vois devant moi? Non, mais c'est le même Kounduno. Comme les avocats vous ont déjà dit, ne vous fiez pas à ce chiffon qui circule sur les réseaux sociaux. Ah, Quand un État est désemparé et qu'il a complètement perdu les valeurs et les raisons pour lesquelles l'État doit exister, ils font circuler un chiffon dans le cadre de faire taire toutes les voix dissonantes. Donc, je demanderai tout simplement à vos auditeurs et téléspectateurs, chacun de voir les affaires, Kounduno se porte très bien, Kounduno continue à mener les activités au nom et au compte du peuple de Guinée. Et toute personne ou tout responsable guinéen qui sera appréhendé de près ou de loin à mener des actions à l'encontre du Brembo à mon encontre sera traité comme un délinquant. Je suis très ravi de vous voir, mais je suis toujours confus. D'ailleurs, ce qui m'amène à me dire, si toutefois eux, ils avancent ce qu'ils appellent un mandat d'arrêt international. Or, à ce que je sache, vous êtes sur la planète Terre, vous êtes dans un pays, vous n'êtes pas du tout enfoui, vous n'êtes pas du tout dans la clandestinité. On a même vu des images où vous êtes dans des séminaires, où vous êtes un invité spécial avec tous les honneurs qui vont avec. Aujourd'hui, vous êtes là devant nous à nous rassurer. Pourtant, ce chiffon brandi, c'est pour est-ce que ce n'est pas une façon de contrecarrer ou de se préparer à ces sanctions que vous êtes sur le point d'enclencher. C'est ma lecture. Vous pouvez me rassurer que le responsable des opérations mène un travail de fond dans ce sens et les mois qui suivent, vous verrez les résultats escomptés dans ce sens. Ce que je vais vous dire, que vous devez comprendre, un État voyou, un État aussi gangster que l'État guinéen dans lequel M. Alpha Condé a pris en otage toutes les institutions et assujetti tous ses citoyens, ne peut pas être considéré aux yeux des États démocratiques. Je tiens à vous rassurer, s'il y a un délinquant, s'il y a quelqu'un qui a parjuré, s'il y a quelqu'un qui a trahi la nation guinéenne, qui doit être recherché, jugé et condamné, ce n'est rien d'autre que le despote et dictateur Alpha Condé. En aucun cas, des démocrates comme Ibrahim, comme Fonke Mangue, comme moi-même, ne peuvent être inquiétés dans aucun État démocratique. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité, j'en appelle à tous nos concitoyens d'ici comme d'ailleurs, chacun de vaguer à ses affaires, Kounduno continue ses activités. Ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un despote, un monsieur qui a renié toute son histoire, qui a fait 40 ans de lutte politique dans la fausseté, dans la tromperie, dans la duperie, ne peut en aucun cas m'inquiéter. Je vous rassure que tout ambassadeur, tout consul, tout diplomate, tout représentant de l'État guinéen qui s'hasarderait de près ou de loin à chercher à savoir les mouvements d'Ibrahim ou de Kounduno sera traité comme un délinquant par les autorités qui sont nous autres. Camarade, salut. Vous avez salut. Un autre pan de points qu'on aimerait parler parce que vous étiez notre invité spécial. On avait fait en sorte que ce soit une surprise pour ceux qui se doutaient ou ceux qui étaient victimes justement de ce tamessonnage qu'a fait le clan. Vous avez parlé de notre camarade très vigoureux, très loyal, très sincère. Très engagé dans la lutte, il s'agit du camarade Fonke Mengue. Aujourd'hui, vous êtes en Europe. Il y a des langues qui se délient pour essayer de créer la zizanie en disant que vous avez préféré fuir la prison. Aujourd'hui, vous êtes dans le beurre et le coton pendant que lui, il est en prison. Quelle est la réponse que vous avez et quel est l'état d'esprit de notre camarade,
le symbole de la lutte, celui qui a préféré la dignité, qui a préféré ne pas trahir la mémoire de ses victimes, qui est Oumar Sylla Fony Kemenge, pour lequel je tire mon chapeau. Merci mon cher ami, je tiens à vous dire, comme vous l'avez si bien réitéré tout à l'heure, Fony Kemenge symbolise la lutte que nous menons actuellement. Je tiens à vous rassurer et que le camarade Ibrahim Diallo, ici présent, et moi-même, était dans l'intention de se rendre au niveau de la direction centrale de la police judiciaire afin de répondre à cette convocation farfelue. Nous avons reçu une lettre venant de Fony Kemenge depuis la maison centrale, où il a sollicité à travers son épouse de nous dire qu'en aucun cas un général ne doit se rendre à ses ennemis. Que si nous sommes à trois en prison, que la lutte serait complètement finie. Donc il est en appel à notre sens de responsabilité. Je veux parler d'Ibrahim Diallo et moi-même, de trouver des voies et moyens de se mettre en sécurité et de continuer la lutte. C'est pour vous dire que chaque fois si nécessaire, nous recevons des bouts de papier, nous recevons des messages du camarade Fony Kemenge, de là où il est, pour nous dire les orientations et les conseils dans la persévérance et dans la continuité du combat. C'est pour vous dire à combien de fois Fony Kemenge, Ibrahim Diallo et moi, nous sommes devenus des frères d'une autre mère. Ce combat, nous menons dans la sincérité, dans la loyauté, dans la franchise et dans la persévérance. Donc, en clair, nous sommes en symbiose parfaite. Le fait que Ibrahim Diallo soit en dehors du territoire pour mener cette lutte inlassable et continuer à inquiéter le despote de Conakry, y compris moi-même, c'est sur les instructions, les orientations et les sages conseils du général de corps Fony Kemenge, à qui je tire le chapeau et qui continue à résister tant bien que mal, comme je l'ai tantôt dit. Si Fony Kemenge doit présenter ses excuses, si Fony Kemenge doit demander pardon au dictateur, au despote Alpha Condé, ça serait au cimetière, mais pas sur cette terre où Fony Kemenge pense que c'est le despote Alpha Condé qui doit demander pardon au peuple de Guinée et non lui. Je veux vous paraphraser, c'est une citation qui passe en nostalgie dans l'émission Africa 2015, où vous dites: c'est inconcevable que quelqu'un qui a la morgue s'étonne de voir un cadavre. C'est inconcevable pour celui qui est au cimetière d'être surpris de voir un corps qui doit être enterré. Et c'est une surprise pour un lutteur de voir sa lutte aller en prison, parce que ça fait partie justement du chemin. Et vous avez touché un point important qui est celui justement de cette symbiose entre les trois têtes. Aujourd'hui, vous êtes dehors, mais vous êtes le symbole et la représentation de ceux qui sont en prison en premier lieu, Fony Kemenge. Si Fony Kemenge est en prison, c'est vous qui êtes en prison. Parlons justement de celui qui est en prison, que vous représentez et vous, que lui, il représente. Est-ce que cela n'est pas encore une autre façon ou un engagement ou une obligation pour vous de ne pas abandonner la lutte? Parce que si lui, il fait face à la prison, c'est à votre place qu'il a fait cette prison. C'est lui qui vous a averti de ne pas venir. Est-ce que cela n'est pas une responsabilité morale pour vous de continuer la lutte, vaille que vaille, quoi qu'il advienne? Suivez, à ce niveau, et que ce soit Ibrahim, moi et tant d'autres de la coordination nationale, nous avons une responsabilité morale. Je tiens à vous informer que Fony Kemenge, Ibrahim, moi et tant d'autres avions juré sur le Saint-Coran et sur la Bible de ne pas trahir le peuple de Guinée et de ne pas trahir la sincérité du combat que nous menons. Donc à ce niveau, nous sommes liés par un serment et pour celui qui connaît un peu la dangerosité et l'intérêt du serment, cela en dit long. Je tiens à vous rassurer, si nous devons abandonner ce combat, si nous devons chercher à monnayer ce combat, nous le ferons au cimetière, mais tant que nous allons respirer une seule seconde sur cette terre, nous continuons à nous battre pour déconstruire la fausseté, pour déconstruire le gangstérisme, pour déconstruire la dictature, pour déconstruire toutes les privations des libertés individuelles et collectives qui se passent aujourd'hui en longueur dans notre pays. C'est pourquoi Ibrahim et moi, nous n'avons pas de repos, nous n'avons pas au fait de répit. Nous travaillons jour et jour à rencontrer des partenaires bi- et multilatéraux, des organismes de défense des droits de l'homme, afin de les expliquer que la Guinée est un état de non-droit. La Guinée est un état où les normes et les libertés d'opinion, d'expression, de manifester, de réunion, et les libertés au fait politiques sont systématiquement interdites par quelqu'un qui avait fait plus de 40 ans à se battre pour ses valeurs. C'est pour vous dire que cet homme a régné son histoire, cet homme a régné toute sa vie, cet homme n'est que
une personne qui vit dans la fausseté, nous devons tous, les Guinéens d'ici comme d'ailleurs, ne pas se démobiliser, se remobiliser la troupe, continuer à travailler ensemble, continuer à se donner la main, continuer à croire à une Guinée nouvelle, à une Guinée paisible, à une Guinée démocratique. Cela n'est possible, c'est si nous sommes tous dotés d'un minimum, au fait, d'honnêteté, de sincérité, de persévérance, afin que nous puissions nous donner la main pour mettre hors d'état de nuire, quel que soit le temps que ça prendra, ce dictateur qui a les mains ensanglantées. Comme vous le savez, nous sommes à près de 250 de nos compatriotes qui ont été assassinés par Alpha Condé. Nous sommes à une cinquantaine d'handicapés à vie, à une vingtaine de femmes qui ont été violées, à des milliers de personnes qui ont décidé de s'exiler, à une centaine de personnes qui courpissent dans les geôles du pays dans les conditions dégradantes. Donc, nous sommes face à une responsabilité sociétale de se donner la main afin de continuer la lutte. Camarade, salut. Salut, camarade. Vous êtes le symbole de cette motivation quand je vous entends. Vous parlez avec vigueur, vous parlez avec engagement, avec assurance, avec dévouement, et cela rassure, c'est des qualités d'un combattant. Mais il est important encore de revenir sur un aspect. Il y a quelques semaines, nous étions démotivés, nous étions déçus de voir que notre lutte n'est pas très soutenue par certains, et d'ailleurs qui sont les plus concernés. Mais à vous voir et à entendre et à nous rappeler qu'il y a des victimes aujourd'hui, il y en a qui sont dans les cimetières, il y en a qui sont des handicapés à vie, comme vous dites, il y en a qui sont aujourd'hui couchés à l'hôpital à l'été, il y en a qui sont en prison. Pour ces personnes-là, la lutte doit se faire même si le peuple, lui, semble traîner les pas. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de ces gens qui sont en prison, qui sont là pour nous, et aussi à l'endroit de ceux qui nous écoutent, qui sont parfois victimes d'intoxication et de manipulation? Une façon de le message est un message simple, c'est un message habituel que je lance souvent quand je rencontre nos compatriotes. Nous avons une mission de responsabilité. Depuis le 3 avril 2019, date de création du FNDC, nous avons sous nos mains et enterré au cimetière de nos martyrs près de 250 de nos compatriotes, à Conakry comme à l'intérieur du pays. Nous avons à peu près 3 charniers, des personnes qui étaient enfouies dans le sol, dont nous ne connaissons pas aujourd'hui les identités. Nous avons sous nos mains une cinquantaine de personnes atteintes par balles ou par des gens gênés des forces de défense et de sécurité qui sont handicapés à vie. Nous avons des femmes qui ont été violées, des enfants qui ont été assassinés. Nous avons des veuves, des orphelins. Nous avons des personnes exilées qui gagnent difficilement leur quotidien. Nous avons des gens qui vivent dans les geôles de Conakry de l'intérieur du pays dans les conditions très, très difficiles. Nous avons un devoir de responsabilité et un devoir divin, celui de notre Créateur et des hommes sur terre, de continuer cette lutte au prix de notre vie afin de rétablir la dignité et l'honneur de tous ceux qui ont perdu leur vie ou de tous ceux qui ont perdu un organe ou qui sont sacrifiés pour ce peuple. Donc c'est un message très clair de responsabilité, un message de persévérance, d'abnégation, de détermination afin de rétablir l'honneur et la dignité de tous nos martyrs froidement assassinés ou handicapés par les forces de défense et de sécurité aux ordres du dictateur Alpha Condé. Camarade, salut, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Salut. Mais avant de vous laisser, je vais ironiser un peu parce que, comme je disais, lorsque ce jour où j'ai vu dans les réseaux sociaux circuler ce chiffon, dans lequel on disait Sekou Koundouno, mandat d'arrêt contre lui. Les communicants du système ont brandi cela pour dire, voilà, vous voyez, ils sont dans des difficultés, nous allons les arrêter. Mais ce qui est surprenant, Sekou Koundouno n'est pas seul dans cette lutte, il est avec Ibrahim Diallo. Comment se fait-il que ce soit Sekou Koundouno qui est visé et non Ibrahim Diallo? Ça, c'est quand même une question que je me suis posée. Je vous la renvoie, mais si vous estimez qu'Ibrahim Diallo est mieux placé pour répondre à cette question, vous pouvez vous donner la balle. En tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir une réponse par rapport à ça et vous rassurer que de notre côté, nous avons cette responsabilité morale de nous battre nos CRS pour ces victimes-là et pour libérer notre pays, afin que demain, nos enfants comme le tien, qui est l'homonyme à feu, qu'elle est Fassal,
Et d'ailleurs, je profite pour saluer votre épouse. D'ailleurs, saluer d'ailleurs les épouses de tous les combattants, comme Funike Mange, sa femme qui est vraiment très brave, mais aussi demander le bon Dieu à ce qu'il donne longue vie à vos enfants, qu'il regarde en vous des modèles et que le peuple de Guinée voit en vous des références demain. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la question? Merci pour tous ces compliments et ces prières. Je prie le Seigneur que vos prières soient exaucées et qu'il nous aide, qu'il donne la force afin que nous puissions aboutir dans ce combat. Je tiens à vous dire que Ibrahim et moi, pour ceux qui nous connaissent, nous sommes presque inséparables. Nous sommes tous ensemble. Je vous informe que le mandat d'arrêt d'Ibrahim se trouve dans les tiroirs. Ils attendent le bon moment encore pour l'exhiber. Ibrahim et moi, nous sommes dans la même situation. Dans les mêmes circonstances, nous avons la même renommée et peut-être pour l'instant, ils veulent jouer un peu à une stratégie de communication. On sort le premier mandat, on essaie de voir ce que ça va donner. Après aussi, le second mandat, on le sort du tiroir. Donc, il n'est pas exclu que dans deux semaines, dans un mois, que vous voyez encore le mandat de M. Ibrahim Diallo exhibé sur le réseau. Mais je vous dis et je vous le réitère, c'est des chiffons, c'est des serviettes hygiéniques. Ça nous dit absolument rien. C'est des bambins, des plaisantins, flanqués quelque part dans les bureaux, qui veulent plaire aux despotes, qui sortent des chiffons peut-être pour chercher à intimider, à dissuader. Nous, nous sommes des généraux 4 étoiles. Nous sommes déjà préparés psychologiquement, techniquement, à mener cette lutte au prix de notre vie. Ce n'est pas des plaisantins qui profitent du contrôle public qui peuvent nous dissuader. Camarade, salut. Camarade, salut. Un autre point que je vais souligner avant de vous dire au revoir, c'est que nous avons dans les couloirs, nous avons eu certaines indiscrétions qui nous ont dit que cette stratégie de faire un mandat d'arrêt contre vous est aussi une stratégie ethnique visant à faire croire que les Peuls ne sont pas en réalité concernés ou bien que les Peuls ont négocié avec le système. Voilà pourquoi Ibrahim Diallo, qui est Peul, lui ne sera pas inquiété. Mais un autre d'une autre ethnie sera visé pour que les autres ethnies estiment que le combat est un combat négocié en catimini par le peuple, qui ne seront pas en prison. Voilà pourquoi aussi Funike Menge, Étienne Soropogi, Abogola Abba sont encore en prison pendant que les Selou Baldé, les Sherif Ba, tous les autres étaient sortis. C'est encore des discrétions et j'ai profité de votre intervention pour glisser cela au peuple de Guinée, pour qu'ils sachent que tout ce que ce système fait, il y a un calcul ethnique, machiavélique et une division du tissu social pour le laminer afin que les Guinéens soient divisés. Nous allons nous dresser contre cela et je suis heureux de voir que ce combat que nous menons n'est pas un combat ethnique parce qu'à ce que je sache, Sékou Koundouno n'est pas un Peul, il n'est pas du tout un Soussou, il n'est pas un Malinké, il est Guinéen tout court. Effectivement, mon cher ami, nous avons une chance au sein du FNDC et que nous ne croyons pas aux théories communautaristes, régionalistes ou ethniques. Ibrahim est Peul, moi je suis Kissien, Funike Mange est Soussou, nous avons toutes les communautés, toutes les diversités ethniques et régionalistes au sein du FNDC. Nous estimons que l'ethnie, la région, la communauté, c'est pour des petites personnes. Pour ceux qui veulent que la Guinée avance, et c'est des personnes qui doivent se départir de ces considérations d'ordre irrationnel et regarder les Guinéens conformément à leur idéologie, à leur opinion, afin que nous puissions construire une nation commune bâtie sous des vertus de paix, de démocratie et de conservation des droits de l'homme. Donc, en clair, ne vous fiez pas à ces valeurs irrationnelles. Construisons la Guinée de demain que nous voulons sous des bases, des valeurs purement démocratiques de bonne gouvernance et de participation citoyenne très active qui puissent nous permettre de sortir la Guinée de ce merdier et que nos progénitures puissent bénéficier un peu du combat que nous menons actuellement. Merci beaucoup, monsieur Sékou Koundouno. Nous comptons Merci. Vous revoir très prochainement et au plaisir. Merci. Voilà, monsieur Diallo, vous avez maintenant l'antenne. Voilà, au jour où il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, est-ce qu'on va y aller, il y a un temps, et quoi qu'il y ait, il y a un temps, est-ce qu'on va y aller, il y a un temps, 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 parce que, pour y aller, que Ibrahim Diallo, et Sékou Koundouno, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, mais manda d'arrêt, il y a un temps, il y a un temps, Sékou Koundouno, ene Sékou Koundouno ko kanko woni be Sékou de ko wadi sitay be soñorini ka Ibrahim Diallo kanko bay o wolé manin ka seeda ko daati na yewtere makko de ngi mo henti kanko negocié di Alpha Condé
non, kundu no yewtiri non ko stratégie maɓɓe ko yaltingol seeɗa seeɗa en fait déjà manda menen menen andi manda men on c'est depuis le mois de mai le mandat il existe donc haydo si a yehi ma wonɓe darde ɓen ɗo no wawi yaade Google ya waɗa mandat d'arrêt contre Sekou Koundouno et Ibrahima Diallo Jeune Afrique donc o yiyai article Jeune Afrique on ko publié kon fewndo men wonno Sénégal et en lien même avec les dénonciations faites par Alpha contre Macky Sall de nous recevoir alors qu'il y a des mandats d'arrêt contre nous deux quoi. Donc il y a un article on est déjà les mandats sont cités dedans. Donc c'est juste une manière de communiquer de nous l'avons compris comme étant une façon de détourner attention population créer buzz. Bon parce que ni population nous songi himbe ben ko fala wo ko honno cedirta Alpha Condé. Donc fino majingol jama on ñando ñande be yaltinay goddungo be yaltinay goddungo be na wando no waddi jama on hinno dum don dum do yewte ha dum non kadina gasa be yaltina goddungo donc ko non si wana c'est pas autre chose donc ko dum don donc andi mene andi be ebe andi men donc mede andi ndir si mi fami moya si tawi wono ido balde seeda manda dare kadi yalti mo tata no windi mo Ibrahima Diallo wota yimbe ben denje wota be hulu wota be ngaldu wota wona be ngalaw yo be andu ko anduno don fi mo ido prepare be jogito kadi din kaindi yaltude dum kandi fittorde yalti do kanyum kadi kala on tawdo si mo durna mo fala nyittade si o hawri video jettude o nyittora si goddo yeyama gato o hebali kakol banana ka wada e mum yo jetto tumba don o nyama kuti o makko ko kono do Ibrahima Diallo e Sekou Koundouno dum ma pinabe joni do yewtere meden den hewti kande lannata don ede ngandi se en woni do en nibbi do jama on hare no weltori tawndo do ni ko en terlen 4000 personnes wonbe darude nane mi yuno do arno da ha hewtuden don na on nombre don kono se profiti do yewti jama on den token be woni yaltinde ko ko be woni furude jama on nana dum don holo e wawa jonnude lekki mudum kondum mardon ko yewton jama on be anda wonde mana dolnube wondude e piridude woni ko fofere wonde holdude be seeda kondum mardon ko yewton jama on be anda hara justement be feranaka ngal iyal ngal be hebata ngal be ngonyo hara teewngu nono ko jama on ko men andinta be ni menen do ko plan ko men jogi kon ni ko gollegol karambongol c'est karambongol no musi buri hay finkari ni men waddi 5 jours France dum Nantes dum ko France yidu gol e société civile di Europe on fop e yube kadi Amérique yube Asie yube hay Afrique donc en der on rencontre donc mimi animu no débat fi coopération sécuritaire hakkunde Union européenne kanyuma e lagine mi jetti exemple BRI on brigade de recherche et d'intervention parce que kambe souteni ha on don brigade CREA ben non ko CREA nano ko fi ko lutte contre terrorisme kanyuma e crime didi donc gouvernement non Alpha Condé be jetti on brigade don be jetti ben non fi nangugol me nangugol opposant de troisième mandat nangugol leader politique be tawegol ka manifestation fi wargol jama on kadi donc même formi don dynamique société civile européenne be ben be tata kambe be yaay be yido yaay lampe mabbe ben be inna be yo be arretu soutien woni soutien financier woni nangugol équipement dun ko arme ma lacrymogène woni appui fi nangugol conseiller di expert be formé yo be arretu woni gendarme woni policier woni militaire be yo be arretu soutien din e mabbe feu donc menen ko dun non deja be accepté dun non donc dun non kadi aroya on nano yaay goddungo haray juwadi on inna be arreti soutien et force de défense et sécurité fop dun non si wadde bi jaybe fota non parce que non andir non be ala mbodi
Berlambour, e no fim nós revira a troisième mandat Macron, tendo o programa no referendum, aumenta 20% salário militar. Então, fi, eu me protejo. Então, o Nihan, o Awata, o Utide. Então, quando eu tenho que fazer um bom, quando eu tenho que fazer um bom, ou 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 Me weltani ke on modja modja non sabu eden andi ni bika wontir non to me andi kadi calendre modon ko très chargé kono malgré dundon on wakkili ke on tawda may amen do en yewtidi haray ande gol derol ko derol modon ni wata on nebu ha on hewtali do humpondire don cipiro gon kadi on yewtido fi go e go wonde wadirde kadi terle etazini do en hollataadi hande do di few ko wawde mi profita do do en waynondirde do e fonde wotere andi ne jama on cippirongo kingo kontini andine kadi jama on cippirongo ko hande do non burto den hebude dole kono no wodi kabe hani wadugol be ni mono yirgande ma baango ngon hankadi yirgu rendum donc en tori ke population guinéen on fo yobe holong wotabe nangu e tewtagol ko na e yewteje mediaji mabbe wiugol hande on abandoni on abandoni litton foni ke menge accitama wobe hay yewti fi sano hande do yewtata fi mudum paske do joni kaka waynondirgol wonde kono be andu nebata hara on hewtido on wadanu en kadi kontrandi rencontre modon on kanyun e o kanyun lamido cour pénalon en gumpitaybe kanyun kadi fi ko woni arde do kon hara joni il me reste plus qu'à vous remercier pour cette disponibilité. Est-ce que vous avez un mot à dire pour la fin? Oui, je voudrais te remercier encore une fois pour l'invitation, remercier tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regarde actuellement et Weltanagol Mokala Kawontiriwo l'aide d'un fop et Baydangol Jama on kadi vraiment yo beydu famu on et ndara piji din haray on tigi sonjaadi wore mum sonjaaki fota fota e ko wonnande kon no keldim fo et kadi piji gono don wano fi kon fi lagne do wano koko carburant augmenta ma satendi kon do kon jama arayno etoni himbe buy arayno setini ko fi honnu soulèvement wadal et cetera nani umannirta do ni wono des septembre wonde lagne do ni kande burtoita don ko der 3 mois impact on tigtion andete e kadi son yi gouvernement ni Alpha Condé kala emido imo yade onanga o tigi woni partisan makko woni wana partisan makko kala emmido e moyaade onanga mo yaaw soka ma orado dun non ko kulol na ha e fous donc quand un dictateur a peur il devient agressif il agresse tout sur son passage donc dun non bay na fo way famule dun non donc enen wonbe yew debbe en burtade faminde fi wato be sonjo wato be tampu fota ma wato be science en tout cas honneur et satisfaisi mo jonneton alpha on hande ko sitawi en croisé juden en yinni en yalti combat on ma en décourager ke feu sen wadi dun don kambe on aray ko victoire mabbe parce que aray kambe be buttini be andi vraiment lanni joni donc aray ko belde ko dum mi mari ko be dana do jama on aray wakkilo ten eteren gol sengo don mo be jokka ka jokkiri don haraji din kadi duuta haraji din seeda dita hala jini sera donc piji buyi sino wadede piji ko buri kon ka gundoji ndon no buri won gol importance e impact wadu gondu ko resultat buri ko yewtete kon ko halete kon et cetera donc haray ko dum nade ko me ka jama on albarka buyi haray kula no dum no inshallah me welti ke do moja do e waintade parce que waintade tun son on yahora en andina jama on jango en hebay do invité be tawbe ben ko kambe woni ko woni cippirde sifa mudum sukaabe kanyum kadi fi kapro rayon ko dum woni Samba Sow waray do wannay kankadi yewtere holla hande do ni mido welti yugol ko sukaabe tawbe
ko dal les années 80 be heba fondo tay Alpha Condé o nebi ni ci pirongo hande do ko be taniraabe makko do woni moy sonjude ono hanuno hersude o anda o wadi jamanu makko ngum wata wadde kadi jamanu luttupen ala jamanu fo weltanama do jarnama men ngare men accita on fondo do men toro Allah e waw kadi ara e umpondirde ko boya si Allah jabi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.